J'ai le souvenir d'un tas de disques de Gilbert et Sullivan empilés dans un coin, à côté d'un vieux tourne-disque brisé qu'elle avait oublié de réparer depuis des années. Il disait que c'était inutile parce que, en fermant les yeux, il entendait chaque note de la partition de Pinafore lorsqu'il le voulait. Je lui ai dit que moi aussi, même sans fermer les yeux. Alors, ça l'a fait sourire, il a posé son bras sur mon épaule et on est restés là, chanter, tous les deux. On a couché ensemble le premier jour. Peut-être que c'était le lendemain. J'ai peur d'avoir oublié. J'ai pas oublié, qu'est-ce que je dis? J'ai attendu 24 heures parce que... je voulais... faire durer le plaisir, c'est aussi idiot que ça. C'est drôle parce que la première fois que je l'ai rencontré, il portait une veste de velours côtelé avec deux belles pièces au coude et des chaussures importées d'Italie. On dira ce qu'on voudra, c'était le genre classique. Une semaine plus tard, j'ai trouvé un paquet à côté de ma boîte aux lettres. C'était la première édition des poèmes de Rupert Brooke. Pas du tout du genre « Ode à une urne grecque, brûler la chandelle par les deux bouts ». Oh non, c'était du vrai Rupert Brooke. On voulait avoir un enfant un jour et je savais que je ne pourrais que l'appeler Rupert. Je crois que j'ai dû faire énormément d'efforts. Parce que je voulais vraiment que ça marche entre nous deux. Oui. Je le pense. Je réalise que j'ai toujours sa pile de disques de Gilbert et Sullivan dans le salon. Il faut qu'il ait quelqu'un pour l'aider. Il n'y arrivera pas tout seul, je le sais. C'est agréable de se retrouver seul. J'ai tout le bol de pop-corn pour moi maintenant, ça vaut le coup. J'aurais envie de l'appeler. Savoir où il en est. Plus de coups de téléphone. Et plus d'excuses. Je suis libre maintenant. Je t'emmerde, du Césac. J'emmerde ton intégrité. Je pense qu'un de ces jours, je vais l'appeler. Il faudrait bien que je lui rende ses disques. Qu'est-ce que j'en ai à foutre dans la vie de Gilbert et Sullivan, moi? J'espère qu'il va l'aimer. Alors? Bah, je sais pas. Oh, je l'adore! Je vais chercher les papiers, je reviens. Non, une minute, là, elle a pas suivi. Viens, on va faire le tour. D'accord. Qu'est-ce que c'est grand? Ça fait un peu peur, hein? Mais c'est magnifique. Et en fin de compte, c'est exactement ce qu'on cherchait. Et tellement en dessous du prix du marché actuel. Vous ne trouvez pas que j'ai raison, docteur? Vous verrez ça avec ma femme, c'est elle la patronne. Elle gagne plus d'argent que moi, alors? L'emplacement est idéal et vous verrez, il y a une vue splendide de chacune des fenêtres. C'est la maison parfaite pour un jeune couple. Traditionnel, avec une touche de contemporain, avec l'impression d'être bien chez soi et en même temps la verdure qui entre dans cette atmosphère feutrée. Oh, je trouve cette pièce absolument fascinante. Surtout le parquet à point de Hongrie, je dois dire. À point de Hongrie? Un parquet entièrement chevillé. Ah. Oh, t'as vu le lustre, là? Oh, oui, je connais. Oh, regarde-moi ces belles poutres. Oh, oui, magnifique. Mais t'as déjà vu une maison agencée comme ça, toi? C'est beau, je veux dire, t'as déjà vu une maison avec toutes ces choses et à la fois, ça m'étonne. Voilà, il s'en va mettre le piano. Oui. En pleine lumière. Oh, qu'est-ce que c'est clair. Oh, oui, c'est très éclairé. Oh. Mais où est-ce qu'on va mettre le canapé? Là, tiens, juste là, dans le coin. Oh, oui, génial. Et tu sais quoi? Quoi? Regarde ce mur. On va pouvoir y accrocher les gravures qu'on a trouvées pendant notre voyage de noces. Oh, c'est une bonne idée, non? Oui, mais. Quoi? Tu te rends compte de ce que ça va coûter? On est complètement dingue, Claire. Là, vous pouvez nous excuser une petite minute? Viens, mon chéri. Quoi? C'est là! Quoi? Ta-da! Tu as enfin trouvé une chambre à coucher avec une cheminée. Oh, regarde-moi ça. Tu as raison, c'est vraiment ce qu'on a rêvé d'avoir. Claire! Montrez-lui dans la céramique de la salle de bain, ça vaut le coup. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, on a les moyens? Non. C'est ridicule, c'est de la folie furieuse. Oh, écoute, c'est trop bête, je suis sûre qu'on va se débrouiller. On peut aussi économiser sur d'autres choses. Enfin quoi, tu n'as pas besoin de 3 repas par jour, c'est vrai, on ira à pied au boulot. Je veux dire, d'accord, il faudra se lever à 4 heures du matin, mais on est jeune, on sera en pleine forme. Bon, d'accord, tu as gagné. C'est vrai, il faut être raisonnable. Ouais. Et zut. On ne trouvera jamais plus une maison avec une cheminée dans la chambre. On achètera une autre couverture et toute la nuit.
Si tu veux dire que... Oh, les tourtereaux semblent s'accommoder de la maison, on dirait. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de bonheur ici tous les deux. On ne peut pas la prendre, Laila. Je suis désolé, il va falloir que vous trouviez de meilleurs clients que nous. J'ai encore un patient à voir, je retourne vite au bureau, je te vois tout à l'heure. Au revoir. C'est bête, je suis désolée. Pourquoi ne pense jamais que ça peut nous arriver un jour? Non, s'il vous plaît, soyez gentille. Ellen, laissez-moi m'occuper du diagnostic. Tant qu'on n'a pas fait la biopsie, on ne peut rien dire. Il ne va plus me rester qu'à les montrer dans un cirque, c'est affreux. Voyons, écoutez. Chut. Allons prendre un peu d'air. Je vous raccompagne à votre voiture. Venez. Mais c'est vrai, et si ça devait arriver à Claire, ça nous rapprocherait, j'en suis sûr. Vous croyez? Oui, vraiment. Nous saurions que chaque fois que nous ferions l'amour, c'est vraiment avec elle que je le ferais. Il n'y aurait pas de confusion possible. Je désirerais vraiment son corps à elle. Vous êtes sincère? C'est peut-être une tumeur bénigne. Mais je vous dis que s'il faut opérer, votre Jack sentira que vous avez besoin de lui. Plus que jamais, c'est garanti. Vous le croyez au fond de vous? Oui, je le crois. Je comprends pourquoi les femmes tombent amoureuses de leur médecin. Au revoir. Au revoir. On achète la maison. Zach, tu es sérieux? Une chambre sans cheminée, je trouve ça ridicule. Oh, oh, tu es sérieux? Vous n'avez pas l'air. Oh, pardon, je vous demande pardon. Oh, je reviendrai un peu plus tard. Entrer, je rapportais seulement le Hemingway pour Claire. Winnie, on achète la maison, Zach vient de me l'annoncer. Pardon? Zach vient de me dire qu'on achetait la maison. Oh, ma petite Claire, mais c'est extraordinaire! C'est une merveilleuse nouvelle! On viendra quand même le mardi! Je suis heureuse pour vous. Winnie, on continuera à venir dîner tous les mardis. Oui, je le souhaite. J'avoue que c'était idiot de ma part de croire que vous resteriez là-haut jusqu'à la fin de vos jours. Oh. Mais on s'habitue, hein. C'est comme pour bien des choses. Enfin. J'espère que vous vous rendez compte que vous n'allez plus entendre mes histoires à propos de Lawrence Haddonford. Le seul poète romantique pour qui Rupert Brooke ait jamais eu une quelconque estime. Eh bien, dans ce cas, vous allez vous asseoir et nous en raconter une. Nous vous écoutons. Et ainsi l'amoindrir en en gâchant l'exquise attente, ce serait dommage. Non. Oh, il était d'ailleurs temps que je refasse faire les peintures. N'oubliez pas. Il y a une force morale colossale accumulée dans ces vieux murs. Pas vrai? Écoute, on pourrait la prendre avec nous, il n'y a pas de problème. Oh, mon chéri. Mais c'est vrai, il y a la petite chambre du fond qui pourrait faire l'affaire. Oh, je l'aime beaucoup, tu le sais. Mais c'est la chambre réservée pour Rupert. Et puisqu'on achète une maison... bien. T'as mangé un biscuit? Si on achetait une nouvelle maison tous les 15 jours. Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, rien. Je pense à une de mes patientes.
Ben, j'ai parlé à Alan Becker l'autre jour. Tu ne devineras jamais qui l'a rencontré. Maxime de Marceau. Chaque week-end, elle s'en met Bridgeport, elle s'envoyait tous les gars du dortoir. Oui, mais quand elle faisait un lapin à la boudarde. Ah, oui, comment on l'appelait déjà? Tu t'en souviens, Charlie? Parlait de faire tous les râteliers. Qu'est-ce qu'on peut être gamin tout de même, hein? Ça manque plutôt de poésie, hein? C'est pas la grande forme ce soir. Hein. Ouais, je sais. Ça va comme tu veux? Je suis complètement crevé, c'est tout. On vient d'emménager dans notre nouvelle maison. Ouais. Ça va, on arrive, t'inquiète pas. Then I'll be yours as long as you want me. I'll be yours until the end of time. Just say me the word. I'll stand beside you. Just be my friend, honey. I'll be yours. Then I'll be yours as long as you want me. I'll be yours until the end of time. Just say the word. I'll stand beside you. Just be my friend and honey. I'll be. Salut! C'est à vous après? Oui, j'ai monté sur la scène et chanté tout mon cœur. Et vous verrez, ils aimeront ça, chant, ils vont adorer. C'est ça? Allez-y, on est là, on vous soutient. Mettez le paquet. Et elle est là, vous allez l'entendre, c'est l'ultime concurrente de la soirée. On l'applaudit très fort, Lucy Lee Prescott. It's easier to sing a sad song than it is to just walk away. Oh, elle est pourrie. Je crois que tu vas te sortir, mais j'ai jamais vu une pareille gourde. Je crois qu'il sera assez facile de deviner qui va remporter notre prix Citron ce soir, je crois. Mais il faut continuer à t'entraîner, ma poulette. Tu y arriveras. Et maintenant, c'est le moment de décerner le grand prix de notre concours de la soirée. C'est aussi parti. Je demanderai votre attention, mesdames et messieurs. C'est un moment historique, un moment inoubliable. Un instant, qu'est-ce qu'il y a? On aimerait passer, nous aussi. Le capitaine. Et son moussaillon. Ah, d'accord. Attention, les amis. Alors, à la toute dernière minute, arrivent deux autres concurrents. On les applaudit très fort. Voici le capitaine et son moussaillon. On chante quoi? Le pénéfoire. Ils sont fous, non? Oh, ça va. T'as la forme, hein? I am the captain of the pinafore and around you. Chante-moi, oh, laisse tomber, on a compris. You're very, very good, and be it understood, you command the... La poche nous trouve mauvais. Eh bien, on dirait que Lucy Lee ne remportera pas notre magnifique prix Citron. En fin de compte. Petit navire qui n'avait jamais navigué. Oui, oui, matelot navigue sur les flots. Oui, oui, matelot navigue. Salut, Mag, de 7h. Salle de bain, tu t'en souviens, toi? Oui, par là, la pièce où il y a une toilette. J'arrive jamais à m'en souvenir, c'est bizarre. Ah, ouais. Oui, d'accord, merci. Je te signale que t'as eu 4 appels d'Hélène Powers. Hein? C'est qui, Hélène Powers? C'est la femme qui a eu une mastectomie. 9. Hélène, c'est le docteur Elliott.
Non, mais écoutez. Hélène, arrêtez. Essayez de vous détendre. Calmez-vous, ne bougez pas. Je suis là dans 10 minutes. Et merde! Son mari a foutu le camp. Il est resté tellement près du bord du lit ce soir-là que j'ai cru qu'il allait tomber de l'autre côté. Il faut croire que j'ai perdu la touche. C'est ça, docteur? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je suis réellement en dehors du coup? Vous le croyez aussi? Qu'est-ce que vous... Oh non, la ferme! Je n'ai pas besoin de votre compassion! Pourquoi m'avoir donné de l'espoir? Pourquoi cette comédie de l'optimisme? Mais... Je m'appelle Ken. Frank. Enchanté, Frank. J'habite tout près, je vais te montrer. Non, attends un petit peu. Je suis désolé. C'est idiot, je sais que c'est ok. T'as pas à t'excuser. Une autre fois, peut-être. Allez, un de ces jours. Salut. Oh non, ne me regarde pas avec ces yeux-là, chérie. Oh non, ne me regarde pas avec ces yeux-là, chérie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? S'il fallait que cela arrive à l'un. S'il fallait que cela arrive à l'un. Pourquoi cela devait-il être toi? Pourquoi cela devait-il être toi? Cela devait-il être toi? Oh, chérie. Tout cela n'est de la faute. Tout cela n'est de la faute de personne que de la mienne. J'ai levé la tête. J'ai levé la tête et puis... C'était comme si... J'avais été au ciel soudainement. Tu étais près de moi? Mon chéri, je suis là. Oh non, ne t'inquiète pas, je t'en conjure. Si tu peux me peindre, alors je peux marcher. Tout est possible, n'en es-tu pas convaincu? Oui, chéri. Oui. Oui. Que j'aime ce film. Le grand amour de ma vie, ça a été Melanie Franklin. Je t'aime. À ma connaissance, c'était la seule personne qui pouvait voir 6 films le même jour. Ouais. Depuis la première séance de l'après-midi jusqu'à la dernière. Je voulais l'épouser. Elle voulait aller à l'université. J'ai jamais compris pourquoi elle m'avait préféré les études. Enfin, maintenant, je comprends, évidemment, mais... En tout cas, j'ai mis du temps à m'en remettre. Je n'ai jamais retrouvé quelqu'un comme elle, même parmi tous les gars de cinéma qu'il y a par ici. Parfois, je me demande ce que serait ma vie aujourd'hui, si elle avait dit oui.
Et puis pourquoi me casser la tête? Je suis heureux. Être célibataire, ça a du bon. Hey Danny, Danny. Alors tu l'as eu ce rôle? Oh, tais-toi, ils vont me le dire vendredi. Bonne chance. Ouais. Vous croyez que tu devais m'appeler? Ouais, mais j'ai eu une dure semaine. Semaine prochaine alors? Ouais, ouais, bien. Salut, Marc. Qu'est-ce que tu fais? Salut. Envoie-moi une bière, Pete. J'en ai marre ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois le type dans le coin là-bas, qui est au bar? Et je lui fais de l'œil depuis au moins une heure, et il daigne même pas me regarder. Mais pourquoi tu perds ton temps avec lui alors? Je te trouve en pleine forme. Bah, il faut circuler un peu plus, hein. C'est grand ici, tu vois. T'as raison. Ah oui, enfin. Bart, tu viens toujours au parc chez moi samedi, hein? Oui, d'accord. Alors, ça roule? Ça pourrait aller mieux. Je m'appelle pas. Mais moi, Timmy. Pourquoi tu dors pas ici? Peut-être la prochaine fois. Quel genre de choses tu écris? Ça dépend. Des trucs différents, rien de très neuf. Des choses que j'aurais pu lire? Je pense pas, non. Tu sais de quoi j'aurais envie? C'est bête, mais j'aurais envie d'un énorme hamburger avec de la sauce chili. Tu m'emmènes? T'es dingue. T'as vu l'heure qu'il est? On va se revoir, t'es d'accord, hein? Pourquoi pas? Je te donne mon numéro. Tu m'appelles? Bien sûr. Il y avait un gars au collège où j'ai été pendant 3 ans. Ses succès avec les femmes étaient légendaires. Il s'en envoyait 5 soirs par semaine. Les plus belles du campus. Et jamais la même. Ce qui était intriguant, c'est qu'il n'était pas particulièrement beau. Et je savais qu'il ne roulait pas sur l'or. Mais de plus, le bruit courait qu'il n'était pas tellement, comment dire, pas tellement bien équipé. Je ne peux faire autrement, John. Quand reviendras-tu? Je n'en sais rien. Peut-être jamais. Parle-moi du trésor perdu. Est-ce que tu as pris ça, toi? Tu crois que tu le trouveras un jour? Oh, ce sont des histoires, tout ça. Finalement... Non, moi j'y crois. Quelqu'un lui a demandé comment il s'y prenait. On finira par retrouver cette île. En fait, compte, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Il faut y croire. L'autre l'a regardé droit dans les yeux. Et très fier, il lui a répondu... De l'imagination.
Ah, monsieur McGuire. Je suis le docteur Elliot. Que puis-je pour vous? Où est le docteur Bloom? Il est en vacances. Je le remplace pour 8 jours. On ne m'a rien dit quand j'ai pris rendez-vous. Ah oui? On aime les surprises, monsieur McGuire. Pourquoi c'est monsieur McGuire? Quel âge avez-vous? Moi, 30. Vous avez 30 ans et vous êtes médecin? Ça ne fait pas sérieux. Non, non, un vrai médecin, c'est un gars qui a au moins 45 ans. Très bien, alors, qu'est-ce qui vous amène? Ben, un examen de routine. Bon, passez derrière la table et asseyez-vous là. Vous pouvez poser votre gilet là. Je vois dans votre dossier que vous avez eu un examen général il y a 4 mois, c'est ça? On ne prend jamais trop de précautions. Bien, et il y a du nouveau depuis votre dernière visite, un symptôme quelconque que vous auriez observé? Non, non, à vrai dire, je me sens très bien. D'accord, on va voir ça tout de suite. Doucement, McGuire. C'est pas un jouet. Hé, hey, docteur. J'entends rien, c'est effrayant. Peut-être que les gens ont raison. On sait pas, peut-être que je n'ai pas de cœur. C'est drôle, hein? Les médecins me donnent de l'esprit. Ouais, je vois ça. Tournez la tête à droite, s'il vous plaît. C'est beau, ça? À gauche, à présent? Parfait. Regardez devant vous. Fixez un point quelconque sur le mur. Ne regardez pas la lumière, d'accord? Regardez droit devant. J'ai lu votre premier bouquin. Toujours devant vous. Ultime réunion, c'est bien ça le titre, hein? Oui, c'est vrai. Vous avez du style. Ah, vous trouvez? Je me proposais de lire les autres. Ouvrez la bouche. Et faites ah. Merci. Bon, retroussez votre manche. Pour quoi faire? Eh bien, pour prendre votre tension. Non, mais je me sens bien, hein, docteur. Je fais 20 longueurs de piscine par jour. Ah oui? Je prends beaucoup de vitamines, j'évite les plats trop riches. Regardez-moi ce ventre, dur comme du roc. C'est très bien. Vous prenez de la drogue? Pourquoi? Vous en avez à vendre. Vous êtes un petit marrant. Non, en fait, je fais attention à ma santé, vous savez, je me contrôle. Je fume quelques joints par-ci, par-là. Un soupçon de coke de temps à autre. Un cocktail de barbiturique ou même... un percodant ou deux à la petite semaine, un rien d'acide aussi. Mais véritablement drogué, non, docteur. Pas pour moi. Ok, vous pouvez vous rhabiller. Ah, docteur. J'ai oublié de vous montrer un truc, là. Vous pourriez venir voir ça? Tout de suite. C'est drôle, j'ai remarqué ça il y a quelques jours. C'est un peu enflé, ça a l'air tenace, vous voyez? Ici? Une tumeur, on dirait. Non, ce n'est pas une tumeur. Et quoi alors? Un poil incarné. Vous êtes sûr que c'est pas une tumeur, docteur? J'appelle un confrère de 45 ans. Il vous donnera son avis si vous voulez. Un poil incarné. Ça enfle comme ça, ces trucs-là? Vous en faites pas. Ce n'est pas rare. Vous pouvez vous remettre à écrire. Tant mieux. Me voilà rassuré. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, tout le reste de la journée? Offrez-vous un long déjeuner. Qui parle de déjeuner? Moi. Et en plus, j'ai hâte de sortir d'ici. À bien y penser, je commence à avoir faim, c'est drôle. Vous êtes de New York? Queens. C'est là que les gens du Bronx vont quand ils déménagent à la campagne. Et combien de temps que vous êtes ici? Depuis la fin de mes études à Columbia. Je me suis dit que puisqu'il fallait souffrir, je préférais que ce soit au soleil. C'est pas un petit pain qui va vous tuer. Farine blanche, poisonnée. C'est pas de la farine blanche. C'est de la farine moulue à la meule, c'est différent. Ne me contrariez pas, docteur. Si je vous dis que c'est du poison, c'est que c'est du poison. Vous voyez un psychiatre? C'est quoi, une question ou une suggestion? Alors, parlez-moi de votre femme, mariée depuis longtemps. 8 ans. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Oh, vous n'êtes pas pressé. Eh bien, on voulait avancer un peu dans notre carrière avant. Et pour vous, vous avez quelqu'un en particulier? Je vois beaucoup de monde. 8 ans, hein? L'argent de ces biscuits est destiné aux enfants pauvres du quartier, messieurs, dames. Un bon mouvement, s'il vous plaît. Pour qu'ils aillent s'amuser, s'il vous plaît. Vous ne réagissez pas plus que ça? Vous ne voyez pas cette pauvre fille qui est là à vous supplier? Qu'est-ce qu'il veut? N'allez pas la décevoir. C'est peut-être fou. Ah, il est beau, le pays, ça se voit. Allez, quoi chercher dans vos poches, ta dradin?
Les petits-enfants ont besoin de vous, messieurs, dames. Vous voulez pas que cet enfant ait un beau sourire? Un bon mouvement! Sortez votre gousset! Oh ben merci, grande gueule! Ces gens-là allaient m'en acheter une ou deux boîtes. Alors, si vous voulez vraiment nous aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Mais je vais vous montrer quelque chose. Ah non, je ne peux pas. Je dois être à la clinique à 2 heures. Oh, ça va prendre juste 2 secondes. Venez. Les bonnes intentions, roman par Bart McGuire. Je n'avais pas l'intention de vous le faire acheter. Bien sûr que si. Dites-moi, combien ça vous rapporte, ça? Oh, eh bien, ça a payé le hamburger. Vous voulez que je vous le dédicace? Une autre fois. Merci pour le déjeuner. Un de ces jours, docteur. Quand j'étais en 5e année à l'école, j'avais un prof très beau, Monsieur Canizzaro. J'étais amoureuse folle de lui. Et je me souviens, tous les matins, je l'attendais assise à la même place. Et lui, quand il passait devant moi, il disait « Alors encore un jour de bonheur, princesse ?» Je rêvais que, quand je serais grande, on se marierait et qu'on serait heureux jusqu'à la fin de nos jours. Une fois à la Saint-Valentin, j'avais fabriqué un énorme cœur en papier. Je l'avais fait pour lui. J'allais le lui remettre quand il a annoncé à toute la classe, comme ça d'un seul coup, qu'il allait se marier. J'étais catastrophée. Je n'étais pas très, comment dire, pas très compréhensive côté sentimental. J'ai eu beaucoup de mal à le déchirer. Mon cœur de papier crêpé ce jour-là. Je n'ai pas confiance, Claire. Pourquoi? On n'a strictement rien à perdre. Si on ne marche pas, on laisse tomber. Mais écoute, c'est ridicule. On peut essayer au moins... Il n'en est pas question. Tu rêves, chérie. Est-ce que tu veux me dire qui va aller regarder une anthologie hebdomadaire du théâtre et même pas aux heures de pointe? Le public préfère la médiocrité. On peut changer ça. Je suis désolée. C'est entièrement de notre faute. Ils veulent de la médiocrité parce qu'ils y ont été habitués, bien sûr. Mais si on leur offre le choix, la qualité, et qu'on leur présente de bonnes émissions, on peut leur apprendre à être critique, à devenir plus exigeant. Je pense que sans aller jusqu'à Shakespeare, on peut s'attacher à faire de la qualité. On a eu Laurence Olivier et John Woodward le mois dernier, si j'ai bonne mémoire. La cote d'écoute a été épouvantable. On n'a pas réussi à atteindre 15%, je regrette. Oui, mais c'était la veille du jour de l'an. Faut pas exagérer, mais pour les dramatiques, la cote est excellente. Vous ne respectez pas la mentalité du public, je regrette. Allons, chérie, c'est quoi sa mentalité? Elle est faite de souplesse, Donald. On a tous le pouvoir de l'élever à un niveau supérieur. Il suffit de le vouloir, seulement on se décourage à la première tentative. Et toi, je t'en prie, arrête de m'appeler chérie. J'ai l'impression que sa place est à PBS. Non, je ne retournerai jamais à PBS. Ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de moi là-bas. Ils sont déjà convaincus. Comment ça a été? Oh, c'est encore loupé. Harrington a appelé. Oh. Il dit que c'est important. Ouais, il veut probablement un de ses navets sur le sexe et la corruption chez les riches, on connaît ça. Appelle-moi Zach, veux-tu? Les Vikings du Tennessee. Les poupées de Callahan. Attends, laisse-moi deviner, Susan. Il n'est pas à la clinique, pas à la maison, c'est ça, hein? Il est dans la nature. La 3e fois cette semaine. Ah oui, je connais.
Ça peut aller. On travaille dans le coin ? Non. Non. Est-ce que tu bois du gin ? Non. Santé. Excusez-moi. J'ai l'impression que j'ai laissé mes clés dans la voiture, excusez-moi. Ça va, tu es sûr? Oui, oui. Allez, viens. Faut s'habiller. On a le temps, reste un peu. Ils nous attendent à 8 heures, tu connais mon père et la ponctualité, hein? On ne sera pas en retard, t'inquiète pas. Toujours ça, après, tu mets des heures à te préparer et c'est moi qui prends l'engueulade. Zach, dis-moi ce qui va pas, dis-le-moi tout de suite. Je veux très bien. Je veux simplement éviter l'engueulade de mon père. Qu'est-ce que tu me racontes? Je connais ton père, il est doux comme un agneau. Non, tu ne connais pas mon père, tu ne connais même pas le tien, tu le vois deux fois par année. Je t'en prie, arrête. Je te demande pardon. Excuse-moi. Je suis de mauvaise humeur. Excuse-moi. Tu es certain que tu ne veux pas en parler? Mais enfin, parler de quoi? J'ai eu une journée dure, c'est tout. Ok. Allez, viens, on fonce. Viens, il faut aller dîner, il faut aller mettre un peu de viande. Ne me chatouille pas, non! Non, j'ai horreur de ça! Ça m'en colère, tu le sais bien, ne me chatouille pas, ça! J'étudie les poètes romantiques, surtout Shelley. Tu devrais d'abord relire tout Virgile, ne serait-ce que comme source. Non, j'ai pris Milton comme source. Oui, alors tu t'apercevras que Milton avait pris Virgile comme source. Enfin, je vois que tu prépares sérieusement ton doctorat en lettres. Comme cela, j'aurai deux fils docteurs. Un homme docte et un médecin. Et ton nouvel avocat, comment se débrouille-t-il? Alan Milgram. Oui. Oh, il se débrouille, ça va. Il n'est pas très habile, bien sûr. J'ai dû lui retirer une cause. Ah oui, et pourquoi? Il a commis 9 erreurs dans la rédaction des contrats. Il vient juste de finir son droit. Tu pourrais lui donner une chance. Suppose que tu es un patient qui souffre de leucémie. Au vu des symptômes, tu désires quoi déjà? Une hématologie. Très juste. Seulement le nouveau gars qui est au laboratoire l'interprète mal. Et toi ensuite, tu diagnostiques une anémie, si bien que ton patient meurt faute de traitements appropriés. Mettrais-tu cette erreur au compte de l'inexpérience et permettrais-tu à ce gars-là de rester? Il pourrait refaire une erreur. C'est un drôle d'exemple. Là, il s'agit d'une vie humaine, c'est très différent d'un contrat. Non, le rendement, c'est le rendement, je suis désolé. C'est ce qu'il faut inculquer à ses employés. Sinon, ils ne doivent pas prendre de responsabilité. Je suis sûre que quelqu'un reprendra encore un peu de viande. Pas? Non, merci Christine, ça va très bien. Mais j'ai déjà confié un autre travail à Allen. Un monopole de journaux. Au fait, nous prenons l'avion pour Milwaukee samedi. Nous y resterons une semaine. Le samedi qui vient? Mais à notre dîner? Quel dîner? Vous deviez venir voir comment on a arrangé la maison et rester à dîner. Oh, je suis désolé. On n'a qu'à remettre ça à la semaine d'après. Si tu veux. Oui, bien sûr. Bart, Zach Elliott, comment ça va? J'appelais juste pour
savoir comment allait la fameuse tumeur de l'autre jour. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. Écoutez, je me demandais si par hasard on pourrait dîner ensemble ce soir. Ça va? Eh ben, disons, à 7 heures. À la Masia. Alors, à tout à l'heure. Allô, Suzanne, c'est Zach, salut. Claire est occupée? J'attends. Allô? Oui. Oh. Bien sûr. D'accord, à plus tard. Bref, elle a épousé un type qu'elle avait connu à l'école primaire. Voilà. Depuis, je n'ai eu aucun attachement sérieux avec qui que ce soit. Merci. Oh, voyons. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis une écrivaine célèbre, mon vieux. Faut que je sois à la hauteur de ma réputation, et ça prend du temps et de la concentration. Alors, j'ai pas le loisir d'être frivole ou d'avoir des aventures sérieuses. Bien sûr. Non, mais... T'acceptes pas l'idée qu'on puisse vouloir vivre seul, hein? Oh, si, mais pas quand on essaie de la vendre comme tu le fais. Ah, ah. Tandis que toi, je vois, c'est la parfaite union, non, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. Oh, et battez-moi aussi. Ah oui? Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur, tous les deux. Et où vas-tu pour rencontrer du monde? Oh, j'en sais rien. Un peu partout. Tu as toujours voulu écrire? Oh, avant même de parler. J'écrivais des nouvelles insensées, nettement salaces. Ça parlait d'adultère et d'inceste. T'imagines un gamin de 10 ans qui écrit des histoires d'inceste? Il y avait le frère et la sœur qui baisaient sous l'établi dans le garage. Tu voudrais fonder une famille? Plus maintenant. J'en ai eu l'intention. Oh, je m'y voyais déjà. La maison tranquille à la campagne. 2 magnifiques setters irlandais. C'est encore possible, c'est pas comme si tu étais octogénaire. J'ai l'impression que c'est pas écrit dans mes cartes. J'en sais rien. Je pense que j'ai changé. Ah oui? Changé en quoi? Changé. Je sais pas ce que tu veux dire. Tu pourrais m'expliquer. Où est-ce que tu veux en venir? Et toi, où est-ce que tu veux en venir? Moi? Ouais. Mais à rien du tout. Oh non. Pourtant, c'est toi qui as commencé. Ben, je voulais dire seulement que je suis heureux, c'est tout. Ah ah. Mais vous, cher ami, vous ne l'êtes pas? Dans l'ensemble, oui. Et quand c'est pas dans l'ensemble? Qu'est-ce qui te fait sourire? Je n'en sais rien. Je trouve un certain charme à ta confusion. C'est vrai, j'ai des côtés un peu secrets. Et puis alors, tout le monde en a. Ah, j'adore les mystères. Est-ce que tu t'en tires, oui? Et toi, tu t'en tires avec les tiens? J'ai jamais dit que j'en avais. Non? D'accord, je l'admets. J'ai fait des petites expériences. Comme quoi? Oh, un petit peu de tout. Choisis ce que tu veux. Raconte-moi. Ok. La vérité, c'est que j'ai donné dans un grand nombre d'activités. Je suis écrivain. Je dois m'ouvrir à tout ce qui est nouveau. Accroître les limites de mon horizon. Bart. Oui, Zach. Pourquoi le cacher? Je suis gay. Merci. C'est gentil. Y a pas de quoi, je t'en prie. Alors,
On peut peut-être parler de tes petits secrets maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Que veux-tu dire? Oh, on peut pas faire semblant toute sa vie. De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, je parle d'abord de ton regard, ensuite de tes questions, de ton brusque besoin de dîner avec moi. Tu sais, on finit par avoir des antennes. Tu veux qu'on en parle? Ça aide très souvent d'en parler. J'en sais quelque chose. Bon, t'as lu de bonnes choses dernièrement? Non, mais écoute, je suis marié, Bart. Si c'est ce que tu veux, tant mieux. Bravo. Mais c'est pas parce qu'on obéit aux règles qu'on a de bonnes notes. Écoute, je ne suis pas homosexuel. Je suis simplement curieux, c'est tout. Je suis très amoureux de Claire, je ne sais pas ce que serait ma vie sans elle. Enfin, je l'aime, je ne veux pas me retrouver loin d'elle. Je vais racheter une bouteille. Médecin, guéris-toi toi-même. Tu es sûr de vouloir résoudre le mystère? Laisse-moi faire. Comment ça va? Très bien. Et toi? Très bien, moi aussi. Il ne me rendait pas compte qu'il était si tard. Il n'est même pas minuit. Je me lève de bonne heure. Oui, moi aussi. Et dis-moi, est-ce que ça te plaît, la médecine? Ça me plaît, drôle.
Eh bien, après 4 ans d'université, 4 ans d'école de médecine, 1 an d'internat, plus 2 belles années d'externat, j'avoue qu'après tout, en effet, c'est une profession qui me plaît assez. Écoute, j'essayais seulement de faire la conversation. Oui, eh bien, conserve ton énergie. Tu te lèves tôt. Mais enfin, pourquoi tu réagis aussi durement? Oh, laisse-va. Non, au contraire, parlons-en. D'accord, si tu veux. Je m'attendais à plus, c'est tout. Ça a toujours été un problème chez moi. Exact. Dans les années à venir. Quand par hasard tu parleras de cette soirée, je suis sûr que tu le feras. Sois charitable, veux-tu? Parce que je blaguais sans plus. Où je vais pour sortir d'ici? Tu vas à Westwood? Non, tu confonds sans doute avec le gars d'hier. Hé, hey, du calme, veux-tu? Qu'est-ce qu'il voulait au juste? Qu'est-ce qu'il voulait que je sois? Un moniteur? Un guide touristique? Un confesseur? Je ne suis pas fait pour enseigner. Je crois que je n'aurais pas dû encourager ses avances. Une malheureuse nuit, tout de suite, il était prêt à emménager chez moi. Je ne veux pas de ça, moi. Je veux m'envoyer en l'air 5 soirs par semaine et sans problème. Un nouveau gars chaque soir? Et alors? J'aime la variété. Les défis. L'aventure. Je n'ai aucune envie d'être le déclencheur de la crise d'identité des autres, c'est tout. J'ai une question à te poser. Je ne te la poserai qu'une seule fois. T'es prêt? Au revoir. Tu marches en dormant? Quoi? Quand tu dors, est-ce que tu marches? T'es somnambule? D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut savoir si on l'est? Tu veux me le dire? Non, mais une minute, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu attends de moi? Réponds. Tu sais qu'il y a 40 millions de gars de notre genre qui t'attendent. Il suffit de le vouloir. Oh, c'est ça, hein? Une nuit par personne, c'est la règle de monsieur, hein? C'est ma règle. Tu avais eu très juste. Eh bien, je citerai les mots d'un visionnaire devant l'éternel. Ce n'est pas parce qu'on suit les règles qu'on a de bonnes notes. Est-ce que tu peux être con? Parlons-en des visionnaires, tiens. À force de vouloir vraiment voir une chose, on la voit, qu'elle soit réelle ou non. Je suis bien persuadé que tu as beaucoup souffert lorsqu'on t'a raconté que le Père Noël n'existait pas, non? Oui, en effet, j'ai beaucoup souffert. Et moi aussi. Laisse-moi travailler, je suis juste au beau milieu d'un chapitre. On se revoit un jour cette semaine. Hein? Hey, Zach! On peut dire vendredi. Ça. Oh, il était très grand. Et l'étonnant, c'est que ses cheveux noirs comme du jais étincelaient lorsqu'ils étaient sous le soleil. Et alors moi, je jouais le rôle de Viola dans la nuit de la victoire. Et puis un beau soir, il s'est présenté à la porte de ma loge. Il était là, debout, puis il est entré. Le très honorable Lawrence Hyden Ford, un tenant de l'épée, mais un esclave du cœur. Et il a dit... C'est ce qui m'a le plus ému dans tout ce qu'il a dit ce soir-là. Il s'est mis à réciter un extrait d'un de ses poèmes. Adieu, ma douce de Douvres, albâtre et lapis lazuli. Adieu, falaise d'Albion et ma belle dame avec. La suite de l'histoire, vous la connaissez, je crois. Racontez-la, Winnie. Il y a eu Château Thierry et... Et il est parti pour toujours. Mais... Il est en moi, je le garde. Ah, ça y est. Je crois que j'ai trouvé adieu, ma douce de Douvres. Albâtre et lapis lazuli. Il n'y a pas
pas croyable, ce verre. Oh, elle est comme ça, il faut la comprendre. Non, je veux dire, c'est très joli pour elle. Oui, je sais, j'avais compris. Tu croyais que je me moquais? Non, je n'y pensais pas, pourquoi? Oh, parce qu'on aurait dit. En tout cas, si elle veut vivre dans son monde, ça la regarde. Je t'en prie, Zach, oublie ça. Je t'assure que je n'ai pas cru que tu voulais te moquer d'elle. Si, tu l'as cru. Je te dis que non, enfin, qu'est-ce qui te prend comme ça tout d'un coup? Bah, et toi? Écoute, j'ai un boulot fou. Bloom est en congrès, il faut encore que je le remplace. Je suis un peu crevé. Allons nous coucher, oublions ça. Je n'ai pas envie de me coucher. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas sommeil, ça me regarde. Bon, d'accord, ne te couche pas, mais ne viens pas me dire que t'es fatigué demain matin. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'obstines-tu à acheter des dentifrices à rayures? J'en ai horreur, tu sais, pourtant. Combien de fois faut-il que je te le dise? Ça m'est sorti de la tête. Non, mais écoute-moi, c'est pourtant simple. Un dentifrice ordinaire blanc, c'est pas la mer à boire. Je l'accepterais même bleu. La seule chose que je refuse, c'est ces putains de rayures. Écoute, merde! Je pense que j'ai la solution. Tu vas nous faire plaisir. Tu vas aller te l'acheter toi-même. Ah oui, alors! Comment ça va, Claire? Bonjour. Vous êtes ravissante. J'ai besoin de prendre un congé, Alex. Pour affaires personnelles. Vous et Zach? Oui, c'est ça. Ça tombe très mal. Vous avez beaucoup de possibilités ici, Claire. Mais si je les ai aujourd'hui, je les aurai encore dans un an, non? Un an? Vous connaissez les va-et-vient dans ce métier. Si ça se trouve dans un an, vous n'aurez peut-être même plus droit au parking. Il faut voir les choses en face. Claire, soyez raisonnable. Vous êtes mon meilleur élément. Oh, je vous en prie. Chaque fois que je me permets de soumettre une idée nouvelle et hors des sentiers battus, elle est rejetée. Il n'y a rien à faire. Mais au moins, vous avez des idées. Écoutez, je ne suis pas là parce que je suis mécontente de mon poste. Ne croyez pas ça. Vous voulez plus d'argent, plus contre quoi? Non, pas du tout. Il n'est pas question de et ça. Et moi, je vous dis que vous pouvez diriger la station très bientôt. D'ailleurs, vous viendrez vous asseoir ici au mois d'août. Vous Alex, me remplacerez. Vous savez, j'ai presque 30 ans. Je commence à me demander où je pourrais bien me retrouver dans 10 ans. Les heures s'écoulent, le temps file. Oh, j'aime mon travail. Seulement, j'ai peur de me retrouver dans un lit vide et une maison vide, avec tous mes projets de film, mon beau Betamax, mes possibilités, mon talent. On a un rêve à réaliser, Zach et moi. Il me faut un an. J'ai peur de devoir vous compliquer un peu la vie. Oh non, ne dites surtout pas ce que je pense. Je vous donne que vous directrice allez dire. Des programmes. J'y avais mis oh, ma vie temporairement, mais c'était en attendant de trouver un remplaçant pour Brickman. Vous êtes la plus qualifiée pour oh, ce poste. Alex, c'est pas vrai. Écoutez, vous êtes dur avec non, moi. Non, mais on dirait que je vous condamne aux travaux forcés. C'est un sacré coup de pouce que je vous donne. Oh, non, c'est le contraire, justement. Vous le savez très bien. Vous voulez me faire plaisir? Réfléchissez-y. Allez donc faire un tour à New York ce week-end. Vous y rencontrerez les autres, l'équipe. Vous voyez ça avec Zach. Je suis persuadé qu'il sera d'accord. Oh oui, il le sera. Je suis pas du tout inquiète. Claire? On a des choses à se dire, Zach. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on se parle, c'est tout. D'accord. Alors, allons faire un tour. Non, je n'ai pas envie de marcher. Je ne suis pas une de tes patientes. Je veux rester ici. D'accord. Oui? Harrington vient de me nommer directrice des programmes. Oh, c'est fantastique. Mm-hmm. Oh, félicitations, chérie. Quoi? Oh, écoute, pourquoi ne me le dis-tu pas? Que devient Rupert? Eh bien, il va falloir qu'il attende. Mais j'ai presque 30 ans. Mais ce serait idiot de refuser. Claire, ça fait des années que tu travailles en vue de cette chose-là. Et puis pour toi, ce serait plus facile aussi. Excuse-moi. Non, j'aimerais t'entendre me dire que tu as tellement hâte d'enseigner à Rupert à jouer au basket, ou à nager sur le dos, ou simplement à marcher. Trottiner. Oh. On me demande d'aller à New York pour le week-end. Et voilà, monsieur est servi. Mange pendant que c'est chaud.
Tu écris très bien, tu sais. T'as vu mon bouquin? Ouais. C'est amusant. On dirait que tu as deux personnalités bien distinctes. Tu as beaucoup de choses enfouies. Oh, je crois que tu te trompes. C'est une œuvre de fiction. Aucun des personnages n'est toi. D'où vient-elle, ton imagination? Ça se développe. Ah oui? Tu as fait beaucoup de sport quand tu étais enfant? Ma seule activité pour rester en forme était de sauter aux conclusions. Non, parce que je me demandais, à voir la façon dont tu t'entraînes, tu nages beaucoup. Et... ouais, c'est l'impression que je donne, hein? Ouais, avec tes haltères, tout ça. Non, j'en faisais pas. Il y avait la petite ligue. Ah oui? Oh oui. La petite ligue, c'est loin tout ça. Mon père avait décidé de faire de moi un homme, tu comprends? Je me suis battu jusqu'au bout. Mais il n'a jamais cédé là-dessus. Un jour, il avait demandé à ses collègues de bureau de venir me voir jouer. J'oublierai jamais ça. Il m'a entraîné au bâton pendant une semaine entière. Il disait, arrange-toi pour pas être tiré, hein. Ouais, seulement il avait oublié que j'étais pas du genre adroit, si tu vois ce que je veux dire. Alors on a commencé. Le compte, deux balles, deux prises et allez-y. Et moi, au champ droit, en train de prier pour que le frappeur soit retiré. Bien sûr, j'ai eu droit à une splendide balle haute qui venait en plein sur moi. J'ai levé mon gant tout neuf, un beau gant Spalding. Et là, j'ai senti un nœud qui se formait dans mon estomac. Tu sais quand? Ouais. Alors j'ai fermé les yeux et la balle est tombée à un mètre devant moi. Mon vieux n'est pas retourné travailler pendant 8 jours, tellement il avait honte. Tu imagines? Oh. Le soir, il est mort. Je suis allé pour la première fois dans un bar de gay. Je n'avais rien à fêter, non. Il était mort, c'était fini. J'étais là parce que j'en avais marre. Marre de n'avoir jamais osé lui raconter que son petit champion du champ droit rêvait surtout de s'envoyer en l'air avec les autres joueurs. J'aurais tellement voulu voir son regard quand je lui aurais dit. J'aurais donné n'importe quoi, je te jure. Tiens. Merci. J'aimerais que tu lises le synopsis de mon prochain bouquin. Oui, d'accord. Je repasserai demain. Pas de garde à la clinique cette nuit? Non. Ta femme est à New York? Mm-hmm. Alors, tu couches ici si tu veux. Et puis tu peux rester pour le week-end. Vendu? Attends une pause, t'as perdu, tu payes le dîner, tant pis pour toi, mon fils. Allez, c'est magique. Non, oui, j'y vais. Ah, c'est un peu. Oh, non. Je t'ai eu. Attends, vois. Attention, 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 t'es fichu, t'es fichu. Alors, une seconde. Tu as montré que tu pouvais faire mieux.
Il lui manque l'honnêteté de tes autres romans, je trouve. L'honnêteté? Je t'assure, t'as pas l'air d'y croire. On dirait que tu l'as écrit avec l'arrière-pensée du best-seller. Oh, je me demande pourquoi je te fais lire ça, je suis un peu débile. Non, mais qu'est-ce que tu y connais, médecin à la con? Hé, si tu voulais des compliments, il fallait m'avertir. Je t'ai donné une opinion honnête. Honnête? Oh oui, tu peux toujours parler d'honnêteté. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Non, je veux savoir ce que t'as voulu dire. D'accord. Qu'est-ce que tu fous ici? Ce que je fous ici? Mais... je suis ici parce que tu m'as invité, parce que ça me plaît. D'accord, mais c'est pas comme si tu étais gay, c'est autre chose. C'est parce que, par curiosité que tu es là, non? Oui, c'est vrai, je suis curieux, c'est mon droit. Eh bien, moi, j'en ai ras-le-bol de la curiosité de monsieur. C'est un peu trop facile, tu ne trouves pas? C'est parce que je t'ai parlé franchement? C'est pour ça que tu réagis comme ça? Oh, j'en ai marre de ton jeu, figure-toi. Tu passes le week-end chez moi, tu tires un trait et pars, tu retournes chez ta femme. Admets ce que tu es, au lieu de fuir comme un lâche, tu te fous la tête sous l'aile. Moi, lâche, t'es cinglé? Je me fous la tête sous l'aile. C'est moi qui vais draguer dans les terminus d'autobus tous les soirs pour redorer mon blason sexuel. Et fous le camp avant que ça devienne trop sérieux. Je te signale que je sais ce que je suis et je n'ai pas peur de l'admettre, moi, figure-toi. Et en attendant, pour ta gouverne, sache que je ne drague pas dans les terminus d'autobus. Ça ne m'est pas encore arrivé. T'as déjà pensé à ce que tu feras dans une petite dizaine d'années quand tu auras vieilli et que tu ne pourras plus profiter de ta jeunesse? T'en fais pas, j'ai une belle collection de bandes vidéo, alors que toi tu seras encore empêtré dans ton mystère. Ok, ça va, on arrête. On efface tout, on laisse tomber. Ah, jolie réaction. On met une croix dessus, c'est plus facile et c'est la merde sur toute la ligne. Je suis passé par là, Zach. Ça marche pas. Je peux toujours essayer de te dire que t'es curieux, que ça te passera un jour, que c'est une phase critique, que ça te reviendra. Mais chaque fois que tu feras l'amour avec ta femme, tu penseras au mec du cinéma que t'as dragué avant-hier. Je veux m'assumer. Je le veux. Seulement, ce que je refuse, c'est l'aventure d'une nuit. Me retrouver seul à la maison le soir. C'est peut-être pas très fameux au lit entre Claire et moi, mais au moins, on est là ensemble le lendemain, tu comprends? Tu pourrais avoir ça aussi avec un autre gars. Zach, tu dors? Non. Je vais pas envoyer mon synopsis. T'as raison, ça vaut rien. Dis, je t'aime. Non, ne dis rien. Bonjour. Ah, bonjour, bien dormi? Ah oui, splendide. C'est à toi de jouer, il y en a dans le frigo. Quelles sont les nouvelles? Ah, toujours pareil. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Je crois que je vais écrire. J'ai une très bonne idée pour un roman. Ça va te prendre longtemps? Ben, ça va prendre la journée. Tu veux qu'on dîne ensemble ce soir? Ah, j'aimerais, mais je suis pris. J'ai prévu autre chose et je peux pas me décommander. Peut-être un autre soir de la semaine, hein? Claire rentre demain et j'ai pris une décision. Je pense que je vais lui parler de moi. Bien. C'est un pas dans la bonne direction, en tout cas. Tiens, tu veux le journal? Je crois que je vais y aller. Oh... n'oublie pas tes disques. Oh, tu peux les garder. J'ai envie de les offrir. C'est gentil, mais... je suis pas très à Gilbert et Sullivan. Zach. Elle te plaira, mon idée de roman, j'en suis sûr. Oh.
On a passé la journée de samedi à étudier la programmation d'automne. Bien sûr, mon influence ne se fera guère sentir avant un an. Mais je crois pouvoir déjà mettre en route des choses intéressantes. Par exemple, il n'était pas très chaud pour le film sur le mariage interracial. Ils songeaient même à le refuser. Alors, j'ai suggéré que le couple fasse de l'import-export. C'était la solution. De cette façon, on y ajouterait de bonnes intrigues internationales. Ils m'ont dit d'accord. Il suffit de les connaître. Alors écoute, on arrête notre cinéma et on parle, tu es d'accord? C'est injuste, tu ne peux pas me traiter comme tu le fais. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, ce qu'il faut que je dise. Je ne sais plus quelle est la façon de te garder, je ne sais même plus si je dois tenter de le faire. Enfin, bon Dieu, on a eu des périodes critiques, on les a toutes surmontées, parce qu'on n'a jamais eu peur de tout partager. Tu te replies sans cesse sur toi-même et je me sens impuissante, je ne sais plus du tout quoi faire. Tu dois absolument me dire ce qu'il y a. Est-ce que tu as des ennuis? Est-ce que tu es malade? Je sais pas, moi. Dis-le-moi, je l'assumerai. Quoi que ça puisse être, je t'assure. Si je le sais, je l'assumerai volontiers. Mais je regrette, je refuse ton silence. Bonsoir, papa, je t'ai réveillé. C'est clair. Non, non, tout va bien, je voulais juste te dire bonjour. Il va bien. Je suis désolée de t'appeler si tard. J'avais oublié le décalage horaire. Je voulais juste... Non, c'est que je pensais à toi et... c'est drôle, je me rappelais la fois où nous étions allés skier. Tu te souviens, pendant 2 semaines tous les deux, et je tombais tout le temps. Tu te souviens? J'arrivais pas à me tenir sur mes skis et il fallait que tu me tiennes la main. Oui. J'oubliais de te demander quelque chose. Tu as vu Vacances romaines, tu sais, le... C'est ça, moi, je trouve que c'est un film assez merveilleux. Tu te souviens, il y avait Gregory Peck et Audrey Hepburn. Et lui, il était reporter journaliste et elle, c'était une princesse. Eh bien, on songe à en faire une série. Oui, inspirée de ça. Lui est reporter et elle est une princesse. Et elle s'est enfuie de chez elle et lui, il l'ignore. En fait, nous, dans la série, il devrait le savoir. Et chaque semaine, il y aurait une nouvelle intrigue, une aventure. Il en profiterait pour... l'aider à se déguiser pour que personne la reconnaisse. Pardon de t'avoir réveillé. Merci de m'avoir écouté, je t'embrasse. Ah oui, durant mon enfance, j'ai su ce que c'était que la solitude. Quand on est toujours le dernier à être choisi pour jouer, et que tu vois les équipes s'engueuler joyeusement parce qu'aucune ne veut de toi, tu te sens assez seul en général. Mais tu y réfléchis comme t'as que ça à faire. Et quand on n'a personne à qui se confier, à qui raconter sa peine et son désarroi, eh bien on prend ce qu'on a sous la main. Moi je me confie à Natalie Wood, ou à Elizabeth Taylor, ou à Marilyn Monroe. Et puisque je ne pouvais pas en parler, je me suis mis à tout écrire. J'en avais des choses à écrire. Il était tellement épris de moi. Il attendait tellement de moi. Si seulement j'avais pu lui dire, tu sais, mon vieux, tout ça, c'est aussi nouveau pour moi que ça l'est pour toi. Je me sentais bien avec lui, malgré tout. C'était bon d'avoir quelqu'un qui m'aimait. Je ne crois pas avoir éprouvé pareil sentiment envers qui que ce soit. Il est en plein désarroi. Il commence seulement à s'assumer tel qu'il est. J'en ai rien à foutre, je regrette.
Quel con, ça allait parfaitement. Ça marchait comme sur des roulettes. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il me raconte qu'il m'aimait? Je te souhaite la bienvenue. Oh, Zach, où étais-tu? J'étais tellement inquiète, j'ai appelé ton frère, j'ai même essayé d'appeler ton père. J'ai passé la nuit au bureau. Tu aurais pu téléphoner. Claire, on va se parler si tu veux. D'accord. On ferait mieux de s'asseoir, viens. Pourquoi c'est si grave que ça? Écoute, Zach, quoi que ça puisse être, je suis ta femme et je t'aime, tu le sais. Alors, dis-moi ce qu'il y a. C'est incroyable. J'avais répété calmement tout ce que je voulais te dire et là, il n'y a rien qui veut sortir. Dis-le, c'est tout. Dis-le simplement. J'ai fait une découverte sur moi-même il n'y a pas longtemps. J'ai eu ce qu'il est convenu d'appeler des désirs que j'avais refoulés jusqu'alors et qui ont fait surface. Voilà, je me sens attiré par les hommes. Je suppose que je suis comme ça depuis toujours sans pouvoir le comprendre, bien peut-être. Je ne sais pas, peut-être que je refusais de l'admettre. Ou de laisser tout ça s'exprimer, en fin de compte. Claire, je ne sais pas d'où ça vient, mais la vérité, c'est que je suis comme ça. Et que... Enfin, il faut que je cesse de le nier. Il faut que j'appelle Mary. Elle voudrait bien savoir si on peut venir dîner chez eux. Claire, voyons, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Bon, alors, qu'est-ce que je lui dis? Claire, écoute-moi. J'ai voulu assumer cela, arrêter de le nier. J'ai couché avec un homme. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux du veau, du poisson? Mais enfin, Claire, qu'est-ce qui te prend? Tais-toi! Mais hier soir, tu m'as dit que tu comprendrais! Tu es en train de me dire que notre mariage n'a été qu'un mensonge, c'est ça? Non! Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle ou quoi? Tu sais très bien que... Claire, regarde-moi. Nous avons toujours été très près l'un de l'autre, oui ou non? Comme des amis? Oui, comme des amis. C'était ce qu'on pouvait avoir de... Non! Qu'est-ce que tu fais de la passion? Et le soutien réciproque? Et la trahison! Oh non! Et moi qui croyais te connaître. Mais qui es-tu? Je suis l'homme qui t'a aimé pendant 8 ans. Qui m'a aimé ou qui s'est servi de moi? Claire, je regrette, tu ne m'écoutes pas. Tu refuses de me comprendre. Mais je comprends que tu t'es servi de moi. Je comprends que pendant 8 ans, tu t'es caché derrière moi. Tu veux que je te dise, je croyais que c'était une autre femme. Non, Claire, non, tu te trompes. Je ne veux plus. Tu te trompes, tout cela est faux. Je suis déjà trop parti, Zach. Va-t'en. Ce ne sont pas des sentiments qu'on peut contrôler. Que ce soit de naissance ou venu après, je n'en sais rien, mais il y a une part de moi qui a besoin d'être avec un homme. Je ne sais pas, peut-être que c'est sa force, son attitude, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il est tout ce que moi je ne suis pas, peut-être que c'est un sentiment paternel, une sorte de défoulement. J'ai peut-être juste besoin de l'approbation d'un autre homme, mais c'est là, c'est ce sentiment. Oh, je t'en prie, arrête! Tu sais ce que je ressens en ce moment? Ce que j'ai ressenti à 8 ans quand j'ai voulu que mon père m'amène au cirque. Il détestait le cirque. Claire, écoute. Il était comme ça. Mais je l'ai tellement supplié qu'il a accepté de m'y traîner en fin de compte. Tu sais ce qu'il a fait? Différent, tu sais. Le jour où on devait y aller, le matin de ce jour-là, je suis montée dans sa chambre. Et là, les placards étaient vides et tout ce qui était à lui avait disparu. Et ma mère alors m'a dit que mon père avait dû s'en aller loin et qu'on ne le reverrait pas. Ça veut dire qu'il ne m'a jamais emmenée au cirque. Si au revoir comme ça, tu parles. Jolie scène de séparation, hein? Ouais.
Et tu sais, elle croit que dans notre mariage, elle a été dupée. Elle pense que je me suis servi d'elle. Donne-lui du temps. Ça lui passera. Il faut que je trouve où aller pendant quelque temps. Tiens, si je nous mettais un film, hein? Ça te changera les idées. Dis. Bart, est-ce que je peux rester chez toi? Bart. Ben... c'est pas le bon moment. Ça tombe mal. N'importe quand, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, je travaille sur un nouveau sujet. D'ailleurs, il faudra que je t'en parle. Je suis sûr que ça va te plaire. Tu n'arrêteras donc jamais? Jamais quoi? De vouloir nous séparer, toi et moi. Toi et moi? Oui, toi et moi, nous deux. Oui, parfaitement, deux personnes qui ont besoin l'une de l'autre. Tu connais la chanson? S'il te plaît, arrête de me servir le coup tordu de la culpabilité parce que je ne veux pas de liaison sérieuse. Mais alors, explique ton problème. Mon problème? Oui. Pourquoi tout le monde pense qu'on a un problème quand on vit seul? Peut-être que c'est la façon dont je comprends la vie. Oh oui. Zach. Je regrette, je refuse de m'embarquer. Compris? Je ne suis pas malheureux. Au contraire, crois-moi. C'est incroyable. Il y avait quelque chose entre nous. Oh, je ne parle pas de sexe ni de défi. Après toutes ces années de petites coucheries d'une nuit, de drague facile, je crois que j'avais enfin rencontré quelqu'un qui me faisait vraiment l'amour. C'est peut-être pour ça qu'il a fallu que j'y mette un terme. Je ne sais pas. La prochaine fois, ce sera peut-être plus facile. Il fallait peut-être que je vive cette expérience. C'est drôle. J'en veux à personne. Non. Mais si jamais je décide d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, je sais qu'il faudra que je m'ouvre un peu plus. Et que je n'ai pas peur qu'il s'en aille. Zach n'a pas fui, lui. C'est moi qui l'ai chassé. Il m'a donné beaucoup pourtant. De toute façon... pour moi, être épris de quelqu'un, c'est pas ce qu'il y a de plus important. En tout cas, c'est pas évident. J'ai mon travail, mes amis. Je pense que je suis assez heureux. Mais je dois reconnaître que Zach m'a donné de l'espoir, au cas où je déciderais de risquer le coup. Je sais que je peux aimer quelqu'un. En tout cas, autant que lui pourra m'aimer. Je sais que je suis pas obligé de vivre avec ma seule imagination. Ah, et puis merde! Hé, hey Bart, où étais-tu passé? Un peu partout. Mais où vas-tu? Boire un verre. Salut, Bart. Ah, Paul, comment ça va? On se voit? Peut-être, oui. Zach
était ma force. Il me protégeait. Rien ne pouvait m'atteindre quand il était là. Je me souviens de notre premier Noël ensemble. Il voulait aller chez des amis. Mais il fallait que j'attende dans ma chambre au collège un appel de mon père. J'ai dit à Zach d'y aller sans moi, mais il a refusé. Il est resté auprès de moi à attendre. Mon père n'a pas appelé, on s'en doute, mais Zach est resté. On a fini par manger un gros sac de chips et il est resté avec moi toute la nuit. Le lendemain, j'ai passé la journée à lire Rupert Brooke. Et j'ai décidé que si jamais un jour j'avais un fils, quoi qu'il arrive, je l'appellerais Rupert. Hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous êtes Ted? En plein dans le mille. Est-ce que je pourrais vous parler une minute? Ça dépend de ce que tu vends, chérie. Je suis la femme de Zach, vous voyez ce que je veux dire? Non. Zach Elliott. Non, écoute, je donne ma langue au chat. C'est vous qui avez écrit ça? Oui, ça en allait. Il faut que je vous parle, je vous en prie. Bon, si tu veux. Bon. Excuse le désordre, hein. Je te sers quelque chose à boire? Un verre de vin blanc? Non, merci. Vous vivez seul ici? Ouais, on dirait, oui. Comment tu t'appelles? Claire. Claire. Bon, ça y est, je t'en prie, assieds-toi. Je sais que je vais sûrement te décevoir, mais je connais personne qui s'appelle Zach. Attendez, je vais vous apporter une photo de lui. Peut-être que si vous... vous y jetez un coup d'œil. Regardez voir. Ah, c'est lui? Ah oui, je le connais. Et seulement, c'est bien gentil, mais il s'appelle pas Zach, en tout cas pas cette nuit-là. Il s'appelle Frank, c'est ça, Frank. Vous l'avez connu où? On s'est connu au bar. T'es sûr que tu veux pas boire quelque chose? Ou une bouffée de mon joint? Comment ça s'est passé? Vous avez parlé et puis vous l'avez invité ici, c'est ça? Mais c'est aussi simple que ça, comme le font les garçons et les filles, voyons. De quoi vous avez parlé? Si ça avait valu la peine de s'en souvenir, il ne se serait pas fait appeler Frank, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes revenu? Écoute, tu permets que je sois franc? Oui. Ma parole que je m'en souviens plus. Avec le nombre de gars qui entrent et qui sortent de cet appartement en une journée, c'est pire que le terminus voyageur. Tu vois, par contre, il était sûrement pas mal, côté rigolade, sûrement. Sinon, je lui aurais pas refilé mon numéro de téléphone. Pourriez-vous essayer de vous rappeler une dernière chose? Est-ce qu'il vous a dit qu'il était marié? Non. Ça, je m'en serais souvenu, forcément. Et est-ce que vous êtes heureux? C'est une question stupide. Je vais t'expliquer ce que je pense. Les embouteillages me foutent en colère. Je me coupe souvent en me rasant et ça me fout aussi très en colère. Ça m'emmerde de payer un burger au prix fort. À part ça, ça va, je suis heureux, je serais un peu con de me plaindre. Tu l'as trouvé où, la pochette d'allumettes? Dans une de ses poches. Évidemment, ça aurait été plus simple si ça avait été lui qui te l'avait donné. Merci. Est-ce que c'est de ma faute? J'aurais peut-être dû davantage être sa femme. Ah oui, en faisant quoi? En abandonnant votre carrière?
Et dire que je croyais qu'on formait le meilleur couple du monde. Je trouve que c'est insensé comme on puisse leurrer et ne voir que ce qu'on veut bien voir en réalité. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est une sorte de magie dans votre mariage, ma chérie. Alors pourquoi est-ce que, étant là à ses côtés, je ne voyais pas qu'il s'étiolait intérieurement? Parce qu'il ne voulait manifestement pas que vous le voyiez. Mais j'aurais dû pouvoir malgré tout, je m'en veux. J'ai... Au lieu d'avoir de grandes idées romantiques, d'idéaliser, de toujours réclamer, d'être tellement exigeante, je n'aurais jamais dû l'empêcher de s'assumer. Très, très juste. Et il est ce qu'il est. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, vous vous rendez compte? Mais chérie, vous n'avez rien fait de mal, voyons. Je vous assure que Zach est encore Zach et que vous êtes ce que vous êtes. Et je peux ajouter que vous possédez en chacun de vous quelque chose de spécial. Zach est le seul homme que j'ai intimement connu, Winnie. Il est le seul homme que j'ai jamais désiré vraiment connaître. Mais alors, bon sang, ma petite fille, qu'attendez-vous donc? C'est le gérant qui m'a ouvert. Je lui ai dit que j'étais ta femme. Je suis sûre qu'on peut encore rattraper ça, Zach. Non, ça ne marchera pas. Mais si, avec de l'aide, ce ne sont pas les bons psychiatres qui manquent. Je ne suis pas malade, alors ne crois pas que je changerai. Bon, d'accord. Alors nous accepterons. Nous accepterons et nous vivrons avec. Je connais des gens qui y parviendraient bien. Non, Claire. On ne peut pas faire ça. Ce serait injuste pour toi. Tu as droit à des rapports sexuels normaux et honnêtes. Et si je te disais que ça n'a aucune importance? Alors ce ne serait pas juste pour moi. Tu sais, je ne veux pas d'une double vie. Un pied dans un endroit, un pied dans un autre. Non, ça c'est quelque chose que je refuse, Claire. Zach. Tu dois renoncer. Pour nous deux. J'ai entendu parler d'un poste vacant en Sloan Catering à New York. Je pourrais m'occuper des cancéreux à plein temps. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'ils auront bien de la chance. Seulement, si c'est comme ça, on ne pourra pas se voir très souvent. C'est vrai. Mais si on pouvait se revoir trop facilement, on en resterait où on en est. Aucun contact? Rien du tout? Non. Pas avant d'y être prêt. Ça dépend, peut-être moi, un an. Et même si on n'est pas prêt, on ne sera jamais loin l'un de l'autre. Quelle jolie vue. En fait, je n'ai pas peur de rester seule. J'aime mon travail. Et je crois que je peux m'en tirer toute seule. J'aimerais avoir un enfant, je ne l'oublie pas. Mais... pas avant que les conditions soient idéales. En réalité, je recherche sûrement un autre Zach. Un homme dont mon petit pourrait être fier plus tard. Je trouverai peut-être la perle rare. Peut-être que non, on ne peut jamais dire. Qui sait si elle existe? Souvent, je pense à Zach encore. Parfois, quand je suis dans mon lit la nuit, je pense à lui. Et je suis certaine que lui aussi, à ce moment-là, il est en train de penser à moi de son côté. Ça a été difficile d'aller jusque là où on a été, oui. Je sais qu'il devait le faire, lui. Et je peux... Oui, je peux vraiment... Enfin, j'ai toutes les raisons de penser qu'une fois...
Maman. Je m'ennuie des heures où on s'amusait au piano. Je m'ennuie des soirées où on voyait des films idiots. Sa sensibilité me manque aussi. Et je sais qu'il n'est pas en être autrement. Et tout ce que je veux pour le moment, c'est son bonheur. Allô? Oh, Josh, comment vas-tu? Heureux de t'entendre, mon vieux. Ça va? Non, on va très bien. Mais bien sûr, voyons, une seconde, je l'appelle. Zach! Oui? C'est ton frère. Je décroche ici. OK. Salut, frérot, comment ça va, toi? Quoi de neuf? Oh non. L'enterrement est pour quand? Comment va Claire? Elle a dit quelque chose? Elle a parlé de ma venue? Oui, d'accord. Écoute, Josh, je vais y réfléchir et je te rappelle. D'accord. Oui, c'est ça. Il y a un problème? Winnie est morte hier. Oh, je suis désolé. Nous l'aimions beaucoup, Claire et moi. Oui, je sais, tu m'en as parlé. Ah oui. Claire vient de téléphoner à Josh. Elle lui a dit que l'enterrement avait lieu demain. Qu'est-ce que tu décides? J'en sais rien. Elle est remariée, je n'ai aucune idée. Qu'en penses-tu, toi? Je crois que tu devrais y aller. Ouais. Le Seigneur est mon berger. Il pourvoira à mes besoins. Il me conduira dans les verts pâturages. Il me guidera vers les eaux calmes. Il régénérera mon âme. Il me conduira vers la voie du bien pour sa plus grande gloire. En vérité, même si je traverse la vallée de la mort, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Ta houlette me réconfortera. Je sais que tu me prépareras une table en présence de mes ennemis. Tu oindras ma tête d'huile. Ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde seront avec moi tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison du Seigneur à jamais. Amen. Amen. Le Seigneur est l'héritier. Zach. Bonjour, Claire. On ne s'embrasse plus? Je croyais qu'elle allait vivre encore 80 ans. Elle va beaucoup me manquer. J'allais toujours dîner chez elle les vendredis soirs. Ah oui? Albâtre et lapis lazuli. Elle ne changeait pas. Alors, et toi, comment vas-tu? Je vais très bien, vraiment. Tant mieux. Toi, tu es ravissant. Merci. Josh me raconte tout. Tu es remariée, tu as un petit garçon. Larry est formidable, j'ai de la chance. Qu'est-ce qu'il fait? Il est architecte. Tu restes combien de temps? Je reprends l'avion à 5 heures.
tu as le temps de faire un tour chez nous en te rendant à l'aéroport. Avec joie. Alors viens, tu n'as qu'à me suivre. Papa est crevé, fiston est infatigable. Zach, je te présente Larry. Larry, Zach. Je suis très heureux de vous rencontrer. Moi, Claire m'a beaucoup parlé de vous. Et voilà la descendance. Et alors, comment ça va, madame? Je m'appelle Rupert. Tu peux répéter? Rupert. Oui. Oh. Allez, je te donne Rupert. Mon nom. Je vous laisse un instant, je reviens tout de suite. Claire était omnubilée par ce prénom. Je pense que c'est le seul Rupert de tout le pays. Salut Rupert, comment ça va? Ah, il connaît maman, je suis un vieil ami de ta maman, tu sais. Et dis bonjour à Zach, il s'appelle Zach. Bonjour Zach. Dis donc, t'es drôle, mon costaud, toi t'es lourd. Montre-moi encore plus haut. Que je te montre plus haut? C'est plus haut ça, hein? C'est haut, c'est en moi. Ok, tu vas jouer à la balle. Vas-y. Je vais la chercher. J'espère que vous restez dîner. Oh, je vous remercie, non, j'ai un avion à 5 heures, une autre fois. D'accord. Je suis juste venu vous saluer en passant. Claire est en forme, elle est bien. Elle est formidable, Zach. Oh oui. Prenez soin d'elle. Comptez sur moi. Est-ce que tu as faim ou soif? Je te sers quelque chose? Non, merci, tu es gentil, il faut que j'y aille. D'accord, je te raccompagne à ta voiture. Au revoir, Zach. Au revoir, Larry. Je reviens tout de suite. Oui. Rupert, hein? Ouais. Larry est un type très sympathique. Oh oui, il est drôle, il s'en va en courant chaque fois que je mets les Gilbert et Sullivan. Il n'a jamais lu Rupert Brooke. Il s'est carrément arrêté à Carlsenberg, mais il est extraordinaire. Nous sommes très heureux, Zach. Mais toi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Oui, nous vivons ensemble depuis presque 2 ans. Ça marche bien aussi. J'en suis très heureuse. Tu sais quoi? Quoi? Lui aussi a horreur de Gilbert et Sullivan. Et tu vois. Josh me dit que tu es toujours au même hôpital. Ouais. Comment ça marche? Ça va, c'est intéressant. C'est très dur comme travail, mais je tiens le coup. Bravo. Et dis-moi, tu es heureux? Oui. Oui, vraiment heureux. Alors on s'est bien débrouillé en fin de compte, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis heureuse. Pour tous les deux. Un de ces jours, Claire.